guess we know this goes on and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crowd behind the curtain. Grégory Le Marchal, de Voix de Mec. Merci messieurs. Wouh ! Ah, ils envoient. Hein. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous pour fêter la centième. Vous avez mis le feu, je connais votre admiration et toute l'estime que vous avez pour ce jeune artiste. C'est un des plus grands chanteurs avec qui j'ai jamais chanté. Ouh. Vraiment. Non, en... Ça, c'est une déclaration. En tout cas, merci infiniment. Et puis moi, je tenais à dire aussi que l'un de mes plus beaux souvenirs de la Starac 4, c'était mon duo avec Patrick sur Casser la Voix. Ça, c'était vraiment un passage très important pour moi dans l'aventure. Voilà. Merci. À tout à l'heure, Patrick. On remet ça? Avec plaisir. Patrick Bruel! Merci à tous. À la Starac, nous avons reçu les plus grands artistes français au sommet de leur art. On en a eu, hein. T'as chanté avec des grands chanteurs tels que Patrick Bruel, Pascal Obispo, Calogero, Patricia Cass, Chimène Badi, et puis Mireille Mathieu, Véronique Sanson ou encore Faudel. Voici 100% de stars made in France pour la centième. Merci d'être avec nous. Merci. Dans l'éternité, le nouvel album d'Hélène Ségara la présente sous un visage inédit. Rien n'est comme avant. La chanteuse préférée des Français amorce un virage musical pop-rock avec des textes en partie écrits par elle-même.
Hélène rayonne sur la scène du 100e Prime de la Star Academy avec Grégory Lemarchal. Sensible à ces âmes qui dansent, qui font que nos vies avancent, même si tout s'enfuit. Chercher l'essentiel, voir l'ombre de ce qui manque, continuer comme ça vous hante, même si tout s'enfuit. Mais rien n'est comme avant. Toujours la vie reprend tout ce qu'elle a donné, tout ce qu'on a aimé tellement grand. Mais rien n'est comme avant. L'absence nous apprend tout ce. Merci. Merci Hélène, merci Grégory. Merci. Merci pour ce cadeau. Hélène qui sera en concert dans toute la France. Et je sais que vous êtes très impatients de la voir à partir du 30 mars et puis au Palais des Sports de Paris, les 26, 27 et 28 avril. Hélène Ségara, je voudrais aussi vous féliciter pour tout ce que vous faites. Pour les enfants, vous êtes toujours à leur chevet. Vous aussi, Grégory, pour votre générosité, pour les concerts philanthropiques. Parce que vous n'en parlez pas, mais nous, on peut le dire que vous le faites. À l'image aussi de Nolwenn Leroy, qui est marraine de la Fondation Abbé Pierre. Oui. Vous voulez dire un petit... Bien sûr. Vous voulez dire un petit mot, Nolwenn, quant Bien à votre sûr, engagement? Bah 2007 va être fait de plein de choses, notamment l'organisation d'un concert à l'Olympia en faveur de la Fondation. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Et puis...